Dis à ton voisin que les anges te visitent. May the angels visit you. Parce que l'ange tient dans sa main une coupe toujours. Is holding a cup. Une coupe de bénédiction. A cup of blessing. Et l'ange doit déverser cette coupe-là sur toi avant de repartir. On you before leaving. Marie était en train de retarder quelque chose. L'ange avait une mission. The angel had a mission. Dès que Marie a vu l'ange, as soon as Mary saw the angel, ce que l'ange a dit, what he said, Luc l'a mis un peu au futur. Luke put it in the future, mais quand l'ange est venu, but when the angel came, l'éclat de la lumière de l'ange, the shining of his light, le Saint-Esprit a plané sur Marie. Was over Mary. Mais quand le Saint-Esprit plane sur toi, when the Holy Spirit is over you, tu as encore ton kunglo en ta tête. You voilà. Still have your mind. Et Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Said, how is this going to happen? Dit le Saint-Esprit. He said, the viendra Holy sur toi. Mais l'ombre du Très-Haut a toujours été sur Marie. Marie était toujours cachée Mary was still sous l'ombre de Dieu. Under the shadow of God. Mais elle n'est pas consciente de ça. But she wasn't aware Dieu of peut it. Te dire quelque chose. God can tell you something. Tu vas croire que Dieu te dit quelque chose pour le futur. That he's talking in the future. Mais Dieu l'a toujours fait pour toi. Yet he has done it for you already. Tu ne peux comprendre le langage de Dieu que par le Saint-Esprit. The language of God unless you have a Holy Spirit. La chambre de Marie ce jour-là the room of Mary that day a reçu une visitation surnaturelle. Received a supernatural visitation. Dis à ton voisin, tu auras des visitations surnaturelles. You'll get supernatural visitations. Et donc, quand l'ange parlait à Marie, so when the angel was talking to Mary, Marie ne sait pas. She didn't know. Mais elle était en train, elle était en conception. She was conceiving. C'était le premier jour. It was already the first day. Alors, l'ange va donner un langage terrible. So the angel gave a terrible language. Il va dire, he said, Elizabeth aussi Elizabeth as well a conçu. Has conceived. Celle qu'on traitait de stérile. The one she called a barren. Et je veux que quelque chose se passe. And I want something to happen. Et cette chose va se passer. And this is going to happen. Continue. Père. Et voilà, ouais, vous allez voir comment on prie. See how to pray. Comment on prie. How to pray. La prière chrétienne the Christian prayer est différente de toutes les prières du monde. Different from all the prayers in the world. On prie dans l'accomplissement. We pray in the accomplishment. On ne prie pas pour avoir quelque chose. We don't pray to get something. On prie parce qu'on a déjà quelque we chose. Pray because we have already received it. Vous savez, you know, dans la Bible, on nous montre un jeune homme qui est venu demander son héritage. We are shown a young man asking for his inheritance. C'est différent de chez les Akans. It is different in the Akan culture. Chez les Akans, tu as l'héritage que quand ton père meurt. In the Akan culture, you wait for your father to die. Mais en Dieu, ton héritage est à ta disposition. But in God, your legacy is already in your hands. Donc, et parfois, le père doit mourir d'abord. And usually, the father needs to die first. Before the child, mais en Dieu, tu as déjà ton héritage. Amen. God, you already have parce it. Que tu as un père qui est éternel. Because you have an eternal si tu veux attendre qu'il meure avant que tu aies. C'est toi qui vas mourir. It's never going to happen. Ok? Donc le fils a dit donne-moi. So the son said, give me. Il a pris. And he took it. Et après, il est revenu. And then he came back. La repentance, to repent, très importante. Which is very on important. Ne prie pas we don't pray comme dans les autres religions. Like in the other religions. Tout ce que Jésus a dit, everything Jesus said, tu vas revenir à Matthieu 6, mais attends, on va reprendre Jean, il n'y a pas de problème. Mais on va revenir à Matthieu 6, verset 7. Hein? 6, 7. Vous allez voir ce que Jésus va dire. You see what Jesus is going to say. Dis à ton voisin le surnaturel. Tell your neighbor the supernatural. Dis le surnaturel en mouvement see, haut. The supernatural alléluia. Is moving. Ah, oh. Ouais, le surnaturel 6, en mouvement. Verset 7. Dans vos prières. Dans vos prières. Ne rabâchez pas comme les païens. Ça dit, il dit. Vous savez, Jésus. Jesus, il est fort. He's il dit, strong. Ne faites pas comme les autres. Don't do like the other ones. Oui, continue. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, on vous fatigue, on vous fait. They make you tired. On vous donne des prières, hein? Giving you prayers. On vous dit prier, 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 prier. Continue. Ils se feront mieux écouter. Ils se feront mieux écouter.
Continue. N'allez pas faire comme eux. N'allez pas faire comme eux. Don't act like car them. Votre Père, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Répète. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Voilà. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. J'ai rencontré une dame un jour. I've met a lady one day. Elle m'a expliqué son problème. She explained her problem. Je dis, madame, I said, priez. Pray. Elle m'a sorti dans son sac. She took in her bag 21 veines. 21 novenas. Elle dit, mon enfant, je prie. Oh. She said, I'm praying. Si c'est prier, là, je prie. I pray. Elle va dire, elle est passée là, 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 she là, told là, me, là. She went. Elle dit, non, c'est toi qui n'as pas encore prié pour moi. Elle m'a mis dans une situation difficile. She put me in a difficult situation. Je dis, ok, madame. I said, okay, lady. Je vais prier pour vous. I'm going to pray for you. Mais bon, heureusement, Dieu a agi. Unfortunately, God. En général, elle revient pour dire, hey, merci, mon enfant. And she came to say, thank you, my son. Voilà. Que Dieu soit loué. God be praised. Donc, il y a. Continue ce que je te dis. N'allez pas faire comme eux. Ne faites pas comme eux. Don't car like votre them. Père sait bien ce qu'il vous faut moi, avant que vous le lui ça demandiez. Ça a transformé ma vie, moi. This has transformed my life. Dès ma rencontre personnelle avec From Jésus, the day of my encounter with Jesus, je savais que j'ai affaire à un être qui est plus intelligent I que moi. Knew I was dealing with someone smarter. J'ai affaire à un être qui sait ce qui est bien pour I moi. Was dealing with someone that knows what is je good dis, for dès me. Ma rencontre, From the day I've met him, ma relation avec Jésus, c'est my une relation relationship gratuite. With Jesus is a free one. Je fais confiance. I trust. Je fais confiance d'une manière absolue à Dieu. In an absolute way. Le jour où mon épouse m'a dit, tu n'as jamais rien demandé à Dieu pour toi-même. You have never asked anything for yourself. Ce jour-là, j'ai vu que Dieu est fort. That day, I realized that God is good. Lui, il a 33 ans de vie After spirituelle, mais years, j'avais 23 ans, elle m'a dit ça. At the time, it was 23 years. Parce qu'elle me regarde prier. Because they are looking at me praying. Je ne suis pas préoccupé par ma vie. I'm not worried about my own life. Je demande toujours à plaire à Dieu. I always ask to please God. La chose la plus importante pour moi, c'est de plaire à Dieu. The most important for me is to please God. Pas plaire aux hommes, mais à not Dieu. Not to please people, but God. C'est très important. It is very important.